Ici, je propose une petite aide pour commencer à démarrer. Et donc Simone marche sur le chemin de Stevenson avec son âne pour une randonnée de 3 jours. Pour l'instant, les informations ne sont pas importantes. Ça commence ensuite. Le premier jour, elle parcourt 2/5 du trajet. J'ai donc divisé en... J'imagine que le rectangle que vous voyez est l'ensemble de mon trajet. Et j'ai donc découpé en 5 tranches. Et on me dit que elle fait les 2/5 du trajet dans mon premier jour. Elle va donc, on va donc assurer 2 barres. Donc en rouge, le premier jour, elle fait 2/5 du trajet. Le deuxième jour, c'est là où c'est un petit peu plus difficile, c'est la question difficile, elle ne parcourt que les 3/4 de ce qu'elle a parcouru la veille. La veille, elle avait parcouru 2/5. Donc on va essayer de matérialiser les 3/4 de ce qu'elle a fait le premier jour, donc les 3/4 de ce qu'on vient de assurer. Là, du coup, c'est pas très simple. Et l'idée, c'est de dire, comme on est parti avec un rectangle, on a découpé verticalement en 5. Là, on me parle de quart, 3/4. Donc, je vais donc découper horizontalement en 4 pour avoir, pour faire apparaître mes quarts. Donc, je vais couper en 4. 1, 2, 3 et 4 parts comme ça. Et donc, le deuxième jour, je vais faire apparaître en vert. Si elle avait fait exactement pareil le deuxième jour, on assurerait 2 colonnes complètes. On assurerait tout ça si elle avait fait exactement la même chose. Mais elle n'a pas fait la même chose, elle a fait moins, elle n'a fait que les 3/4. Donc cette partie verte que je vais assurer, je ne vais en prendre que les 3/4. Et là je regarde horizontalement, comme il y a 4 lignes, je vais donc supprimer ma dernière ligne. Plus ou moins joli ce que j'ai fait, mais ça passe quand même, je pense qu'on comprend. Et donc là, on voit que j'ai assuré les 3/4 de mes 4/5. Je vous laisse maintenant réfléchir pour essayer de poser le problème et répondre à la question.